Shalom, shalom les amis, j'espère que tout va bien dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Bagba. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, qui devons-nous prier? Devons-nous adresser nos prières au Père ou au Seigneur Jésus ou au Saint-Esprit? Mon frère, ma sœur qui m'écoute, qui pries-tu? Prie-tu uniquement le Père ou le Seigneur Jésus ou le Saint-Esprit ou les trois? Je fais cette vidéo parce qu'il y a une confusion pour beaucoup de personnes. Et je veux apporter un éclaircissement, bien sûr, avec la parole de Dieu. Quand je plonge mes yeux dans la parole de Dieu, quand je commence dans l'Ancien Testament, toutes les prières étaient adressées au Père, à l'Éternel, au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu prendras les prières d'Abraham, de Moïse, de David, de Job, de Néhémie. Toutes les prières étaient adressées au Père. Quand je prends le livre des Psaumes, toutes les prières sont adressées à l'Éternel Dieu. Mon frère, ma sœur, tu peux et tu dois prier le Père. Tu peux et tu dois lui adresser tes prières. Quand je prends le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur Jésus est venu, lorsqu'il a commencé son ministère, il n'a pas dit d'arrêter de prier le Père. Non, lui-même lorsqu'il priait, lorsqu'on voit ses prières dans le Nouveau Testament, il s'adressait au Père. Lorsqu'un disciple a dit « Seigneur, apprends-nous à prier », il a appris le « Notre Père » qui est aux cieux. Mon frère, ma soeur, tu dois prier le Père, tu dois t'adresser à l'Éternel, tu dois t'adresser à l'Éternel Dieu, au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 16 au verset 23, « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en moi. » Vous avez bien entendu, ce que vous demanderez au Père. Le Seigneur Jésus veut qu'on prie encore le Père. Il veut qu'on prie Dieu le Père, puisqu'il dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Quand je prends Jean 14, du verset 13 au verset 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tu dois prier le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Tu dois prier Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus afin que tu sois exaucé. Selon la parole de Dieu, lorsque tu t'adresses au Père, tu dois prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est pour cela que lorsque nous terminons nos prières, nous disons au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Si vous me suivez, vous constaterez que lorsque j'adresse des prières, lorsque je fais des vidéos sur des prières, je commence par Père et je termine au nom de Jésus, j'ai prié. C'est biblique. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans les actes des apôtres, les apôtres, les disciples adressaient leur prière au Père par le nom de Jésus. Ils ajoutaient par le nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous pouvez voir cela dans Actes 4, du verset 24 au verset 30. Paul a dit aux Éphésiens, dans le livre des Éphésiens, il a dit, Éphésiens 5 au verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il n'est pas interdit de prier le Père. C'est écrit dans la parole de Dieu que nous devons prier le Père.
Nous pouvons prier le Père. Le Seigneur Jésus est arrivé, il est venu. La prière qu'il a montrée aux disciples, elle commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu peux adresser tes prières au Père. Tu peux et tu dois adresser tes prières au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous devons adresser nos prières au Seigneur Jésus? Ma réponse est oui. Tu peux adresser directement tes prières au Seigneur Jésus. Lorsque tu pries, tu peux parler directement au Seigneur Jésus. C'est aussi biblique. 1 Timothée 2,5 dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. » Selon un dictionnaire, un médiateur est une personne qui intervient pour faciliter une communication, pour rétablir une relation. La Bible dit que le Seigneur Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Tu peux t'adresser au Père directement, comme j'ai dit dans la première partie. Tu peux aussi t'adresser au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur terre pour nous sauver. Que nous dit Jean 3 au verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu peux prier le Seigneur Jésus. Dieu l'a envoyé sur terre afin que tu sois sauvé. 1 Jean 4, 9 nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 2, 23 dit, quiconque nie le Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, des personnes ont approché le Seigneur Jésus pour intervenir dans leur vie. Des personnes malades, des personnes possédées, des personnes qui avaient des problèmes, des difficultés. Le Seigneur Jésus ne les a pas repoussées. Le Seigneur Jésus a répondu favorablement aux demandes de ces personnes. Donc, toi qui m'écoutes, tu peux et tu dois demander au Seigneur Jésus de t'aider. Tu peux adresser ta prière au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne va pas te repousser. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 11, verset 28? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur Jésus dit de venir à lui avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec nos combats. Il va nous décharger. Donc, mon frère, tu dois t'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus. Tu dois lui parler. Tu dois lui dire ce que tu veux, ce que tu traverses, ce qui ne va pas dans ta vie. Et prier, ce n'est pas aussi seulement exposer ses difficultés, ses besoins. C'est adorer Dieu, c'est louer Dieu. Tu dois aussi adorer l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, 6 nous dit, Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus, il est là. Et tu as la possibilité de lui donner ta vie, de lui ouvrir ton cœur, de converser avec lui, d'échanger avec lui chaque jour. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Pourquoi tu vas dire, « Non, moi je prie seulement le Père. » Mais la Bible nous dit, Dieu même qui a inspiré la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin qui mène au Père. Je suis la vie. Je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 8, 12. Le Seigneur Jésus dit encore, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Éphésiens 2, 18 nous dit, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Actes 3, 6 nous donne un exemple de prière, c'est Pierre. Pierre dit à un boiteux qui se trouvait devant le temple, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, tu dois prier. Au nom de Jésus, tu dois prier. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, c'est écrit dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, tu adresses tes prières. Parce que Jean 14, que j'ai déjà lu, du verset 13 au verset 14, le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai en mon nom, au nom de Jésus. Bien sûr, ta demande doit être selon la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 2, verset 14 nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu ne peut pas te donner la victoire loin de son Fils, sans son Fils. C'est en Christ que Dieu nous donne la victoire, que Dieu répond à nos prières. Mon frère, ma soeur, tu peux, tu dois prier le Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu a envoyé son Fils pour qu'on croie en lui, pour qu'on s'approche de lui, pour qu'on lui donne nos vies, pour qu'on soit sauvé. Je vais aborder la troisième partie. Est-ce qu'on doit adresser nos prières au Saint-Esprit? Dieu a permis que son Esprit Saint vienne sur terre pour nous aider, pour nous équiper, pour nous fortifier. Le Saint-Esprit est une aide. Le Saint-Esprit nous aide à prier le Père, à prier Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prier par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prier. Que nous dit Jude 1 au verset 20? Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu dois prier par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, 18 dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, toutes sortes de prières et de supplications. Comme je disais, le Saint-Esprit nous pousse à prier, à adresser des prières au Père, au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit nous pousse à faire toutes sortes de prières. Si vous me suivez, j'ai une vidéo qui a pour thème différents types de prières. J'ai cité l'adoration, la louange, les supplications, les intercessions, les prières de combat, les déclarations bibliques. J'ai cité 15 types de prières. Il y a plusieurs types de prières. Éphésiens 6, 18 nous dit, c'est par le Saint-Esprit qu'on pourra faire toutes sortes de prières. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit vient à notre aide. La Bible dit qu'il nous aide dans notre faiblesse. Quand on ne sait pas prier, quand on ne sait pas comment prier, comment adresser nos requêtes, nos besoins à l'Éternel Dieu, comment adorer Dieu, comment louer Dieu, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Donc nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Nous devons être dans la volonté du Saint-Esprit. Marchez selon le Saint-Esprit. La Bible dit dans Galates 5, 16, marchez par l'Esprit de Dieu. Continuellement, tu dois être un avec le Saint-Esprit. Acte 2, 4 nous parle du parler en langue. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'on parle en langue. Acte 2, 4 dit,
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit nous pousse à parler des langues, à parler plusieurs langues pour adorer notre Seigneur, pour louer notre Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, tu peux aussi t'adresser au Saint-Esprit. Tu peux prier le Saint-Esprit. C'est biblique, oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je vais donner un exemple de prière. Bien sûr que j'ai tiré dans la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble si tu le veux bien. Esprit de Dieu, viens sur moi. Selon Actes 1 au verset 8, je te prie de noter les références bibliques. Esprit de Dieu, sois sur moi, selon Ésaïe 61 au verset 1. Esprit de Dieu, remplis-moi, selon Exode 31 au verset 3 et Actes 2 verset 4. Esprit de Dieu, habite en moi selon Romains 8 verset 11 et 2 Timothée 1 verset 14. Esprit de Dieu, repose-toi sur moi selon Ésaïe 11 au verset 2. Esprit de Dieu, revêt-moi selon Juges 6 au verset 34. Esprit de Dieu, parle-moi, selon Actes 28 au verset 25. Esprit de Dieu, rends témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, selon Romains 8 au verset 16. Esprit de Dieu, enseigne-moi la parole de Dieu, selon Jean 14 au verset 26. Esprit de Dieu, révèle-moi les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, selon 1 Corinthiens 2 au verset 9. Esprit de Dieu, fais-moi connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, selon 1 Corinthiens 2 au verset 12. Esprit de Dieu, conduis-moi selon Romains 8 au verset 14. Esprit de Dieu, conduis-moi dans toute la vérité selon Jean 16 au verset 3. Esprit de Dieu, aide-moi à marcher selon toi, selon Galates 5 au verset 16. Esprit de Dieu, aide-moi dans ma faiblesse. Intercède pour moi, selon Romains 8 au verset 26. Esprit de Dieu, manifeste-toi en moi, selon 1 Corinthiens 12 au verset 7. Esprit de Dieu, remplis-moi de ton fruit, selon Galates 5 au verset 22. Esprit de Dieu, justifie-moi selon 1 Corinthiens 6 au verset 11. Et pour terminer, Esprit de Dieu, parle par moi, que ta parole soit sur ma langue selon 2 Samuel 23 au verset 2. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as apprécié ma vidéo. Je crois et je pense que déjà tu pries le Père, tu pries le Seigneur Jésus et que tu t'adresses aussi au Saint-Esprit qui est pour nous les croyants une grande aide. Sois béni et je te dis à bientôt.